الرحمن الرحيم قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما سبحان الله والحمد لله والله de l'humanité, par responsabilité envers l'humanité, nous devons expliquer à la chrétienté ce que nous avons à lui dire. Mais qu'est-ce que nous avons à lui dire? Et là, ça demande une analyse un peu du mythe chrétien. Vous savez que le christianisme est fondé sur un mythe et que nous sommes anti ce mythe. Et que il faut expliquer en quoi ça consiste. Ben, vous savez que depuis quelque chose comme presque 2000 ans, une fraction importante de l'humanité, 1,5 milliard d'hommes sur Terre, se prosterne tous les jours devant un juif. N'est-ce pas? Dans le dogme chrétien, il y a une divinisation d'un homme, et cet homme n'est pas n'importe qui, n'importe lequel, c'est un juif. Plus précisément, devant un cadavre de juif, célibataire, avancé. N'est-ce pas? Jésus est emmené au Golgotha, après avoir subi la flagellation qui l'a, de toute évidence, beaucoup affaibli. Les soldats font appel à Simon de Cyrène pour porter sa croix. Et Jésus voit là l'occasion parfaite de changer d'identité avec Simon de Cyrène. Si bien que c'est Simon de Cyrène, qui ressemblait à Jésus, qu'on crucifie. Tandis que Jésus, qui ressemble à Simon, se fond dans la foule, monte au ciel. Subhanallah.